إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons بإذن الله وبعون الله عز وجل l'explication de cette série L'ornement précieux des époux vertueux. Et le dernier cours, on a parlé parmi les erreurs des époux, et plus précisément des maris. Et aujourd'hui, on va continuer, Inch'Allah, et on verra également parmi les erreurs des épouses, donc des femmes. Parmi les erreurs que font les hommes par rapport à leurs femmes, c'est l'ignorance de la nature de la femme et à quoi elle est exposée. Et quand on dit à quoi elle est exposée, c'est en ce qui concerne la grossesse, les menstrues, les lochies, etc. Donc tout le monde doit savoir, et encore plus l'homme, et au moment où il va se marier, que la femme est là de sa nature, et comme Allah Azzawajal il l'a créée, elle a un changement au niveau du métabolisme lorsque elle est enceinte, lorsque elle a des menstrues. Donc elle a des passages qui lui sont difficiles, comme par exemple le fait de ressentir la gêne, le haraj, la nervosité, etc. Et à ce moment, on va voir que la femme, donc, elle va s'emballer très vite, elle va se mettre en colère très vite, etc. Donc l'homme, il doit savoir ces choses-là. La Bouddha Niyakun Hakiman, il faut qu'il soit donc sage par rapport à cela, et qu'il sache donc au moment où sa femme, elle a ses règles, surtout les débuts. Au moment où sa femme, elle est en état de grossesse, et ce qui va s'en suivre, comme elle waham, ce qu'on appelle waham, etc. Tout ce qu'elle va ressentir en elle-même, comme pour ce qui est de waham, le fait de détester sa maison, de ne pas pouvoir sentir l'odeur même de la cuisine, même de son mari, in'am. C'est pour ça que même par moments, elle va être insupportable. L'homme, il faut qu'il sache cela. S'il est jahil, biadil umur, il est ignorant de ces choses-là, et il ne les prend pas en considération, et il ne ferme pas donc les yeux à ce moment-là, automatiquement, il va y avoir des disputes et tout ce qui va être néfaste pour le couple. Wallah al-musta'an. Donc la personne, elle doit savoir. C'est-à-dire que l'homme, il doit savoir à ces moments-là. Et il doit en prendre compte. Et il doit en tenir compte. Et son comportement à ce moment-là et sa patience doit être plus grande par rapport et vis-à-vis de sa femme. Et ceux qui ne font pas cela, automatiquement, ils vont tomber dans de gros problèmes. Dans de gros problèmes. Donc s'ils sont ignorants de l'état de leur femme et de ce qui se passe donc en elle, alors automatiquement, comme on a dit, des disputes, et ça peut même aller beaucoup plus loin, jusqu'au talaq, jusqu'à donc le divorce, jusqu'au divorce. Et donc pour des choses, des moments qui sont à la base sans grande importance. Donc ça, c'est un point où l'homme, celui qui va se marier, le jeune qui va se marier, celui qui n'est pas encore marié, qu'il sache cela. Et celui qui est marié, lakin jahil, et qu'il ignore ou qu'il oublie cela alors qu'il s'en rappelle. Un autre point également, parmi les erreurs, et ici on va rentrer dans ce qu'on appelle le ta'addud, le fait donc d'avoir plusieurs femmes. Et lorsqu'on avait parlé min huquq al-zawja ou min huquq al-zawjat ou min huquq al-azwaj, on avait laissé un haqq, et aujourd'hui donc on va l'expliquer, donc ce sera l'occasion pour l'expliquer à travers donc les erreurs. Et donc, ce haqq là, c'est ce qu'on appelle haqq al-mabit, ou al-adl, ou al-qasm. Lorsqu'on dit haqq al-mabit, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Lorsque l'homme, il a plusieurs femmes, il a une obligation qu'il doit accomplir. Et ces femmes-là, donc à partir de 2, de 3, jusqu'à 4, elles ont un droit sur lui, et qui est donc al-mabit. Al-mabit, c'est le fait de passer à la base donc une nuit avec chaque femme. Et quand on dit bien sûr la nuit, c'est également le jour, c'est-à-dire une journée complète. Sauf que
comme l'ont expliqué les gens de science pour ce qui est de la journée. Donc on parle de la journée, le jour en fait, le jour, al-nahar, il est permis à l'homme qui est donc qui a plusieurs femmes, il est permis donc de les visiter, c'est-à-dire simple visite, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la journée. Et comme le citent beaucoup de savants, il ne s'assoit pas auprès d'elle, ou il ne s'installe pas auprès d'elle, mais simplement il le fait si par exemple elles ont besoin d'une haja, si elles ont besoin de quelque chose ou quoi que ce soit, et afin donc qu'il subvienne à ce besoin là donc c'est dans ce sens uniquement. Et donc c'est simplement une ziyara, simplement une visite, c'est ce qui est de la journée. Par contre, pour ce qui est de la nuit là, pour ce qui est de la nuit, il devra la passer entièrement donc avec son épouse. Et donc dans cela, haqqul mabit, il faut, et ce qu'on appelle haqqul qasm kadhalik, il faut que l'homme il donne donc ce temps équivalent à chaque épouse, et c'est un droit, c'est un droit. Et s'il le délaisse, c'est strictement interdit. S'il le délaisse, c'est strictement interdit. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment ou avant que la mort lui vienne, sallallahu alayhi wa sallam, il demandait où il était, c'est-à-dire chez quelle femme il allait être demain. C'est pour ça qu'il disait Aina ana radan, Aina ana radan, en le répétant Aina ana radan, c'est-à-dire qu'il disait où je serai demain, où je serai demain, parce qu'il savait, il voulait en fait Kana yurid yom Aisha, il voulait en fait passer ce moment-là ou ce dernier jour auprès de Aisha, c'est ça qu'il voulait. Mais il l'a dit de manière indirecte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il est venu dans le hadith muttafaqun alayh, fa'adhina lahu azwaju yakun haythu sha'a fa kana fi bayti Aisha hatta mata 'indaha. Et donc à ce moment-là, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont permis, donc on voit qu'il y a eu ici une permission, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont permis qu'il soit où il voulait. Et il a choisi donc à ce moment-là la demeure de Aisha. Il est resté auprès d'elle jusqu'à qu'il est mort, salawatullah wa salam alayhi. Même si les savants ont dit, beaucoup de savants, ils ont divergé les savants par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que dans, pour ce qui est du prophète, est-ce qu'il y avait le haqq du mabit, haqq al-mabit, c'est-à-dire que certains savants ont dit qu'en réalité ce n'était pas une obligation par rapport au prophète, et d'autres ont dit que c'était une obligation. À la kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoi qu'il en soit, il a donné ce droit là donc que ce soit minbab al-wajib, par rapport à ceux qui ont dit que c'était obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ceux qui ont dit que ce n'était pas obligatoire, minbab al-ihsan, minbab al-ihsan. Et pour également ce qui est de al-mabit, on va donner également une précision par rapport à ce droit. Lorsque l'homme il va se marier donc avec sa deuxième femme, suivant l'état de la femme, elle va avoir un droit qui va être supplémentaire, donc au moment du mariage. Et cela, on le prend d'un hadith qui est rapporté par Anas, qui est muttafaqun alayh. يقول أنس رضي الله تعالى عنه من السنة إذا تزوج الرجل من السنة ça c'est un terme qui est important. Anas, lorsqu'il dit من السنة, ce qui fait partie donc de la sunna, on appelle au niveau de la science du hadith هذا الحديث لو حكم الرفع, لو حكم الرفع, tout simplement ça veut dire que ce hadith est élevé, c'est comme s'il était élevé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. يكون مرفوع حكما, c'est-à-dire qu'il a le statut donc du hadith qui est élevé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici Anas il n'a pas dit qala sallallahu alayhi wa sallam ou fa'ala sallallahu alayhi wa sallam ou aqarra sallallahu alayhi wa sallam, mais il a dit min as-sunnah. Et de ce terme là on va donc en déduire que c'est min bab ar-raf, c'est-à-dire donc que c'est que ce hadith a le statut d'être, où il prend le statut du hadith qui est dit élevé. Lorsqu'on dit marfou', ça veut dire élevé. Et élevé à qui donc? Élevé au prophète. C'est-à-dire donc qu'on dit élevé au prophète et on dit marfou', c'est donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors le geste, le fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada wa al-marfou'. Et donc le marfou', il peut être également hukman. C'est-à-dire que les sahaba vont nous informer d'une information qui était du temps du prophète. Lorsqu'ils disent par exemple, durant
le temps du prophète, ça également ça hukm arraf. Lorsqu'ils disent comme cet exemple là mine sunna, ça également hukm arraf, c'est-à-dire qu'il a le statut du hadith qui est élevé. Donc la différence qu'il y a entre al-marfou et al-mawquf. Al-mawquf, c'est-à-dire qu'il s'arrête au sahabi. C'est pour ça qu'on dit al-mawquf. Al-mawquf qui vient du terme waqafa. Et waqafa qui est donc la traduction de s'arrêter. Lorsqu'on s'arrête. Et lorsqu'on dit donc mawquf à la sahabi, ça veut dire que ce hadith-là, il s'arrête au sahabi. C'est-à-dire donc c'est la parole du sahabi, ou le geste du sahabi, ou l'acte du sahabi. Et ce n'est pas l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça ne prend pas la valeur de cela, donc de la parole ou de l'acte du prophète. Donc c'est une différence qu'il y a à faire entre al-marfou' wa al-mawquf. Et également à connaître lorsque le hadith al-marfou' il l'est de manière ou de son statut, lorsqu'on dit donc marfou' hukman. Ça donc c'est simplement une parenthèse et c'est une faïda que l'on donne par rapport à la science du hadith. Lorsqu'on entend donc les savants ou lorsqu'on lit un livre de science et qu'on voit donc cette parole al-hadith marfou' ou qu'on voit cette parole al-hadith marfou' hukman ou qu'on voit cette parole al-hadith mawquf, yani mawquf ala sahabi. Donc il nous disait Anas min as-sunnati idha tazawwaja ar-rajul al-bikrah 'ala ath-thayyib. Donc lorsque l'homme il se marie une femme qui est vierge et qu'il a donc déjà une femme, et bien entendu cette femme là elle est non vierge, thayyib, c'est ce qu'on appelle la thayyib, on avait déjà expliqué ce terme. Donc lorsqu'il se marie donc en deuxième épouse, aqama 'inda sab'an, donc il reste auprès d'elle durant 7 jours complets, c'est son droit qu'elle a par rapport à son homme, qui lui il reste avec elle durant donc 7 jours complets lors du mariage, si elle est bien sûr vierge. Tayyib. Et ensuite, après cela, on viendra donc au hukm al-qasm, c'est-à-dire donc il y aura le partage ensuite qui viendra se mettre en place. Et ensuite il dit Anas nam fil hadith thumma qasam, c'est-à-dire ensuite il partage. Wa idha tazawwaja ath-thayyib aqama 'indaha thalathan thumma qasam. Tayyib. Et si par contre il se marie avec une femme qui n'est pas vierge, donc sa deuxième femme qu'il va prendre, ou sa troisième, ou sa quatrième, elle n'est pas vierge, alors elle aura un droit que de 3 jours, uniquement. Donc comme dans ce hadith qui a donc Hukm al-Raf, qui a le statut d'être élevé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, thalathan, donc 3. Ça c'est la différence qu'il y a entre la femme qui est vierge et la femme qui n'est pas comme telle. Et donc parmi les erreurs qui adviennent de l'époux, c'est dans un premier temps qu'il ne donne pas ce adl-là, yani tark al-adl fil mabit. Ça c'est également une grosse erreur que la personne ou que l'époux va faire lorsqu'il va donc rester chez une femme plus qu'une autre, qu'il va accorder de temps donc à une femme plus que d'autres. Il va par exemple passer 2 jours chez une autre, 1 jour, 2 nuits chez l'autre, 1 nuit. Wallah al-musta'an. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce hadith pour les frères qui ont plusieurs épouses. Yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man kana lahu imra'atan, celui donc qui a 2 épouses, famala ila ihdahuma, et qu'il donc a penché vers une d'elles, donc qui a penché vers une d'elles par rapport bien entendu à ses actes, par rapport elle m'habite, etc. Ja'a yawm al-qiyamah wa shiqqu ma'il wa shiqqu ma'il, il va venir le jour du jugement, une moitié de son corps sera penchant. Washirqu ma'il. Ça donc, ce sera sa punition par rapport donc à l'au-delà. Et ce hadith, bien entendu, il est rapporté par l'imam Ahmed, wal arba'a kadhalik, wa il est authentifié par Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh. Également, l'erreur que va faire l'homme, ce qu'on appelle donc les présents ou les cadeaux. Donc lorsque la personne ne fait pas de adl dans cela, est injuste par rapport donc au cadeau, donc à l'hiba de façon générale, et tout ce qu'il va donner donc à son épouse, qui va donc donner plus à une épouse qu'à une autre, qui va donner plus à des enfants d'une épouse qu'il va donner aux enfants d'une autre. Également ça, c'est une des erreurs que font les époux, et qui est également grave. Également pour ce qui est, et ça c'est encore plus grave, fi adl fi nafaqa. Al-nafaqa, donc ce qu'on avait vu
et qu'on avait donc expliqué dans les cours précédents, al-nafaqa. Donc à ce moment-là, al-nafaqa, pour ce qui est des al-zawjat, elle doit être de même pour tout le monde. Pour ce qui est des erreurs également, tark al-adl fi safar, inam. Lorsqu'il va donc voyager, il va délaisser donc cette équité entre les femmes. C'est-à-dire qu'il va voyager tout le temps avec une et il va délaisser les autres. Ou il va délaisser l'autre. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait lorsqu'il voyageait, et pour ne donc pas faire de jaloux et pour ne donc pas délaisser cette justice là, il tout simplement tirait au sort parmi ces femmes. Donc il ne faisait pas de préférence à partir de là. Kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha arada safaran aqra'a bayna nisa'i. Donc le prophète sallallahu lorsqu'il voulait donc un voyage, il tirait donc au sort entre ces femmes. Également une erreur qui est faite. C'est une grosse erreur qui va être faite. C'est ce qu'on appelle mubalaghatu fi izhar al-farah idha addad. Lorsque l'homme il se marie avec une seconde femme, tayyib, ou avec une troisième femme, ala kulli hal. On prend le cas qu'il va se marier avec une seconde femme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement faire apparaître sa joie devant la première. Il va faire apparaître cette joie-là. Il va même exagérer dans cela, wallah al-musta'an. Et ça, c'est strictement inutile et c'est même néfaste. Parce que la femme, de par sa nature, on va revenir à l'ria, on va revenir donc à la jalousie de la femme. La jalousie de la femme qui est présente et qui est dans sa nature même, elle ria. Et on verra donc des hadiths par rapport à cela. Donc cette jalousie, elle va s'accentuer, elle va s'intensifier. Pour rien du tout. Sans aucune raison qui va être donc ici valable. Donc au contraire, l'homme, pour ne pas tomber dans cette erreur-là, lorsqu'il va se marier, il ne fait pas apparaître cette joie devant sa première femme. Bien au contraire, il ne fait pas apparaître cette joie. Il ne laisse pas donc apparaître les signes de cette joie-là. Lorsqu'on parle de l'adl, de la justice donc entre les femmes, pour celui qui a plusieurs épouses, on va se rappeler bien entendu un verset du Coran où Allah Azzawajal nous a parlé de cela. Et qui est le verset suivant. يقول الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. Vous ne pourrez jamais être équitable envers vos femmes. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. Même si vous en êtes soucieux. ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre comme en suspens. Mu'allaqa, comme en suspens. Bien entendu, par rapport à ce verset, on va comprendre une chose ici. C'est que l'homme, il y a une chose qu'il détient, une chose qu'il va détenir. La chose qu'il détient, c'est le fait de faire justice envers ses femmes, faire preuve d'équité envers ses femmes, par rapport elle m'habite, le fait de rester, par rapport à nafaqa, etc. Les choses dont il est capable et dont il a le pouvoir sur cela. Par contre, il a une chose dont il ne peut détenir. Et c'est quoi? C'est son cœur. C'est son cœur. Ça, il ne peut pas. Ça, il ne peut pas. C'est pour ça qu'on comprend dans ce verset que l'homme, il ne peut pas, au niveau de l'amour, et donc l'amour qui va venir de ce cœur-là, il ne peut pas faire acte d'équité. Automatiquement, il va préférer une femme à une autre. Parce que ça, la yamlik. C'est pour ça que le prophète, sallam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, qui est même rapporté par l'imam Ahmed, et qui est authentifié également par Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi. Il dit le Nabi, sallallahu alayhi, Allahumma, hadha qasmi, fima amlik. Il dit le prophète sallam dans cette doua, ô mon Seigneur, ceci donc est mon partage, donc le partage que j'ai fait entre mes femmes. Fima amlik, dans ce que donc je détiens, dans ce qui est mon pouvoir, dans ce que je détiens. Fala talumni fima tamlik, wala amlik. Alors ne me désapprouve pas dans ce que tu détiens toi. Et bien entendu ici c'est al-qalb, comme nous a expliqué l'imam Abu Dawud lui-même. Il a dit yani al-qalb. C'est-à-dire donc al-qalb, c'est Allah Azza wa Jalla qui détient. Al-qalb, alladhi yuqallib al-qulub, wala amlik, et donc dont je ne détiens pas. C'est donc toi qui détiens cela,
et ce n'est pas moi qui détient donc mon cœur et l'amour qui va en sortir de ce cœur-là. Fala talumni. Alors ne me désapprouve pas par rapport à cela. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est de manière évidente. Lorsqu'on lui a demandé quelle est la personne qu'il aimait le plus, il a dit Aïcha. Sarraha bidhalik, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, amam al-mala. Il a dit devant les gens, il a dit que c'était Aïcha qu'il préférait. Et bien entendu, on voulait par là les hommes, il a dit donc son père. Et ça, il ne pouvait donc contrôler son cœur et cet amour qui sortait de lui. Et ce n'est pas pour cela donc, ce n'est pas pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a délaissé ses autres femmes par rapport au droit. Non, bien au contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce qui était de meilleur. Et dans le verset, فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ. Et donc vous les laisserez au point de les laisser comme en suspens. Al-mu'allaqa, c'est en réalité une femme qui va être mariée, qui est donc mariée avec un homme et dont l'homme l'a complètement délaissée. Cette femme-là, il l'a complètement délaissée. Donc il l'a délaissée. كَالْمُعَلَّقَ. كَالْمُعَلَّقَ. Donc une personne qui est en suspens, délaissée. C'est-à-dire que elle est mariée, elle a cet acte de mariage, mais en réalité, elle n'a pas la présence de son mari, qui l'a complètement délaissée. Ça, c'est le mu'allaqa. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde de ne pas donc pencher et que cet amour-là ne prenne pas le dessus sur ce que la personne possède et dont elle est capable par rapport à l'nafaqa, par rapport à l'adfi safar et tout ce qu'on a cité. Donc ça, c'est pour ce qui est de ta'addud et les erreurs que les époux font par rapport donc à ce point-là, à cette situation. Et on fait également un rappel. Ce rappel-là qu'on a déjà dit le dernier cours, mais qui est tellement important. Qui est tellement important. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans ce hadith authentique, « La yafraq mu'minun mu'minatun in kariya minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar » C'est-à-dire que le croyant, celui qui est croyant, « mu'minun » celui qui est croyant, il ne déteste pas. On avait vu donc le terme la yafraq bimana la yubrid, qui est donc du terme al-farq et qui est donc al-bourb. Il ne déteste pas la croyante, donc son épouse, la croyante. S'il déteste quelque chose d'elle, alors il va automatiquement être satisfait d'une autre chose, d'un autre comportement qui se trouve en elle. Ça, c'est également un point qui est important. Et que l'homme, avant de se marier et lorsqu'il se marie, donc ce sera pour lui à titre de rappel que cette parole prophétique, s'il l'applique comme il se doit, et c'est pour ça que, comme on l'avait cité, l'imam As-Sa'di rahmatullah alayh, il l'avait cité ce hadith, un des principaux hadiths qu'il avait cité dans son livre Al-Hayatu Sa'ida, donc la vie bienheureuse. Donc regardez, la vie bienheureuse, pour que la vie donc elle devienne bienheureuse et que la personne se contente de ce qu'elle a. Et on va revenir également tout de suite après, dans le prochain point, dans ce qu'on appelle qillatul qana'a. Qillatul qana'a, qui est également une erreur, qui va apparaître chez certaines personnes. Automatiquement, ce qu'ils voient en mal chez leur femme, ils le mettent devant. Et ils délaissent ou ils oublient tout ce qu'ils ont trouvé en elle de bien. Donc la personne doit faire l'équilibre. Il doit faire la balance entre cela. Et c'est pour ça, subhanallah, lorsque moi-même, j'avais demandé un conseil à Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr. Il m'avait rappelé cette parole qui lui avait tellement plu de Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh. Lorsque les personnes venaient se plaindre auprès du Cheikh, toujours le Cheikh, il leur rappelait que les ouris, ce qu'on appelle donc les ouris en français, elles ne sont donc les femmes du paradis, elles ne sont pas sur terre. Les femmes du paradis, elles ne sont pas sur terre. Ces femmes-là, on les trouvera, inshallah ou ta'ala, pour les croyants, on les retrouvera dans l'au-delà. Donc la personne, il faut qu'elle prenne conscience de cela. Et que de sa femme, il va automatiquement trouver ce qui ne lui plaît pas. Et qu'il devra donc faire l'équilibre et la balance dans tout ce qu'il va trouver de bien en elle. Et s'en rappeler. L'autre point et l'autre erreur également, qillatul qana'a, enam. C'est-à-dire qu'on a des époux, on va trouver des époux malheureusement qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont. C'est-à-dire, bien entendu, ici, de leur épouse. Et qui vont, en réalité, regarder chez les autres. Et qu'ils vont s'imaginer que les autres, ils ont automatiquement des épouses qui sont meilleures que la sienne. Ça, c'est qillatul qana'a. Donc, la personne ne se contente pas de ce qu'il a.
Et ça m'a même l'amené, wallah al-musta'an, dans certains cas, à tomber dans le haram, bin nadar, c'est-à-dire de par le regard. De par ce regard. Ce regard-là, qui va bien entendu lui être interdit. Et de par lui, il va prendre les péchés. Et pour ce qui est donc, al-mu'alaja, pour ce qui est de remédier à cela, c'est dans un premier temps, taqullah, wal-muraqaba. C'est-à-dire que la personne se rappelle Allah Azzawajal, se rappelle qu'Allah Azzawajal le voit, qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il sache que rien ne lui échappe, que ce soit dans le secret et le public, que même le regard, rien ne lui échappe, et que tout est écrit. Également, Raddul Basar, qu'il rabaisse son regard, ça également, ça va l'aider à se contenter de ce qu'il a. Et le fait qu'il va rabaisser le regard, ça va avoir un grand bénéfice pour ce qui est de son cœur. Islah al-qalb. Dans un premier temps, son cœur il va devenir apaisé. Alors qu'il ne rabaisse pas le regard et qu'il regarde donc les femmes et qu'il compare donc ensuite avec son épouse et qui donc cela va l'amener à s'écarter d'elle et s'éloigner d'elle, wallah al-musta'an, hada min al-mafasid. Ça, c'est des points que l'on note et qui sont plus que néfastes. Et ce cœur-là, il va devenir automatiquement tourmenté. Alors qu'au contraire, lorsqu'il baisse le regard, il va apaiser son cœur. Il ne va pas être tenté. Il va également protéger sa religion. Et le fait qu'il baisse le regard, ça va faire naître également dans son cœur donc force, al-quwa. Ça va lui donner donc al-quwa, quwat al-iman, et également le farah, la joie. Et ça va l'aider à se rapprocher d'Allah Azzawajal réellement. Pourquoi ? Parce qu'il va obstruer à ce moment-là l'entrée, une grande entrée, par laquelle le shaitan, le diable, il entre. Al-shaitan. Et également ce qu'on appelle l'uzum al-qana'a, c'est-à-dire qu'il se rappelle de manière continuelle, constante, inhérent, ce bien qu'il a en réalité, in'am, et qu'il se suffit de cela. Car la personne, elle a un bien, cette femme-là. Ça, c'est une grande ni'ma. Et combien de gens, eux, ils n'ont pas cette ni'ma-là. Na'am, on va ici passer à l'autre point. Et qui est donc, al-nazar, il amène... وأدنى منا في الأمور في أمور الدنيا ومن هو أعلى منا في أمور الدين ومسائل الفضائل إنعم. Ça également c'est un remède, c'est un grand remède ça. C'est lequel? C'est tout simplement que la personne qu'elle regarde donc ceux qui sont en dessous de lui par rapport donc aux affaires de cette dunya là. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique muttafaqun alayhi yaqul انظروا إلى من وسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. Regardez donc ceux qui sont en dessous de vous. Et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous par rapport au bien matériel, par rapport à ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné. Et donc, ceci va être plus. Va vous empêcher. Amna, ça va donc vous empêcher. Et vous protéger, ahfav, de donc réfuter et n'être reconnaissant envers la ni'ma d'Allah Azzawajal, ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a donné. Ya Abdullah, tu as une femme, tu as une épouse qui a automatiquement des bonnes qualités, une croyante qui a automatiquement des bonnes qualités. Donc pourquoi regarder autre? Pourquoi chercher autre? Et regardez cette parole de l'imam Ibn al-Jawzi. Une belle parole de l'imam Ibn al-Jawzi fi kitabi Sayyid al-Khatir. Yaqul rahmatullah alayh, qad yara al-insanu imra'atan fi thiyabihi fayatakhayyaru lahu annahu ahsanu min zawjatihi. L'homme peut-être qu'il va voir une femme dans ses habits et il va s'imaginer tout simplement qu'elle est meilleure que sa femme. Wa fikru la yanzuru illa al-husn min al-mar'ah. Et bien entendu, sa pensée ne va pencher et ne va donc s'orienter uniquement et ne va regarder que ce qu'il y a de bien dans cette femme. Tout simplement, donc, il va automatiquement chercher à se marier. Ou alors, bien entendu, dans le cas des captives, d'avoir donc une captive. Et donc, lorsqu'il a atteint ce qu'il désirait, donc son objectif,
Il ne cesse donc de regarder dans ce qu'il a réellement, ce que il a obtenu réellement et ce que lui il s'imaginait. Fayamil. Ensuite, Fayamil, automatiquement il va s'en lasser. وَيَطْلُبْ شَيْءًا آخَرٍ. Il va donc demander encore autre chose. وَأَنَّ حُسُولَ أَغْرَاضِهِ فِي الظَّاهِرِ رُبَّمَا اِشْتَمَلَ عَلَى مِحَنِ مِنْهَا. Tout simplement, il ne va pas se rendre compte, il ne va pas savoir que le fait qu'il a obtenu ces choses-là, ce qu'il a voulu, ce qu'il a donc désiré, et dans le cas ici, des femmes, فِي الظَّاهِرِ, donc dans ce qui est apparent, cela va comprendre, donc dans son intérieur, des épreuves. Ishtamala ala mihan minha, et parmi elles, antakuna thaniya la dina la wa la aql. C'est-à-dire que la deuxième, il l'aura trouvée sans religion, sans din et sans raison. Aula mahabba la wa la tadbir. Alors, sans amour, un amour donc qu'elle aura pour lui. Aula la tadbir, ou alors une femme qui ne sait absolument pas gérer, qui ne sait pas gérer les affaires du foyer, etc. Donc regardez, il va donc délaisser plus que ce qu'il aura obtenu. Et regardez ce qu'il va dire également. وَهَذَا وَالَّذِي أَوْقَعَ الزُّنَاتِ فِي الْفَوَاحِشِ. C'est ce qui a fait tomber donc les gens du zina, les gens qui commettent l'adultère, dans cet acte-là. فِي الْفَوَاحِشِ. Qu'ils vont s'asseoir auprès de la femme au moment où elle cache, elle, tous les défauts qu'elle a. Elle ne fait apparaître que ce qui est beau en elle. وَظُهُورِ مَحَاسِنِهَا فَيَتَلَذَّذَ. Ils vont jouir ces quelques heures. Et ensuite, ils vont donc passer à une autre. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils n'ont cherché que l'apparence. Et ils n'ont vu cette femme que dans l'état où, uniquement lorsqu'elle a fait apparaître ce qui était bon à elle, et ce qu'elle a caché, bien entendu, hadhihi al-uyub. C'est pour ça qu'ils sont tombés fizina. C'est pour ça qu'ils sont tombés fizina. Tout simplement, s'ils seraient restés avec cette femme un certain temps, les défauts vont apparaître. Et eux, ils n'ont pas de djinn. Ils ne vont pas revenir donc au djinn. Ils ne vont pas revenir donc à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La yafraq mu'minu mu'mina. Ce hadith, ils vont appliquer ce hadith. Et donc, ils vont ensuite passer à une autre femme, et ainsi de suite. C'est ce qui les a fait tomber dans le zina, wallah al-musta'an. Parmi les autres points également, que l'on cite pour que la personne continue donc à avoir cette qana'a, qu'il se contente donc de ce qu'il a, c'est également la compréhension authentique de la signification de la beauté. Et ça, tout simplement, on revient à un des cours qu'on avait fait et qu'on avait expliqué, une des paroles de Ibn al-Qayyim al-Jawzi pour ce qui était de la beauté. Également, an-nadharu fil awaqib. C'est-à-dire que la personne doit regarder, doit observer ce qui va advenir, c'est-à-dire les conséquences de son acte-là. Le fait qu'il va regarder donc autre que sa femme, il ne se contente pas de ce qu'il a, automatiquement cela va provoquer en lui de la tristesse, du tourment et également l'instabilité du cœur. L'instabilité du cœur. Et on revient également ici, dans ce cas-là, on revient également à la parole de Ibn al-Jawzi rahmatullah alayh, et ce qu'on a traduit à partir donc de sa parole. Ça, c'est ce qui est pour les erreurs des époux. Et bien entendu, on n'a pas cité toutes les erreurs de façon détaillée. Pourquoi cela ? Parce que dans beaucoup des cas, ou la plupart des cas, lorsque la personne, elle va à l'encontre, ou elle n'établit pas, ou elle n'observe pas le droit que sa femme, elle a sur lui, il va tomber automatiquement dans ce qui est el-khata, et dans l'erreur. Taïb, donc, lorsqu'on revient également au cours que l'on a fait par rapport au droit des épouses, tout ce qui va à l'encontre de cela, ça va bien entendu rentrer dans l'erreur. Pour ce qui est des épouses, également donc, on va rappeler certains points par rapport aux épouses, avec tout ce qu'on a rappelé également auparavant. Parmi les erreurs que font les épouses par rapport à leur homme, c'est ce qu'on appelle mubalaghatu fi tatallub al-kamal. Tout simplement que la femme, ou beaucoup de femmes, exagèrent dans la demande de la perfection. Et encore plus la femme avant son mariage. Elle croit tout simplement que l'époux, et bien entendu, elle va se référer à ce qu'elle a vu auparavant. Et on parle d'al-waqi', on parle du quotidien. Pour beaucoup de sœurs, celles qui n'ont pas eu d'iltizam auparavant et qui sont ensuite rentrées dans l'iltizam, pour ce qui est le cas de beaucoup de sœurs, elles vont tout simplement se rappeler les films qu'elles ont vus, les films romantiques, l'image qui a été donnée de l'époux ou l'image qui a été donnée de l'homme. Elles vont se raccrocher à ça. Elles vont tout simplement s'imaginer
par rapport à ce qu'elles ont vu, l'homme parfait, l'homme qui sera toujours simple, sans problème, sans défaut important. Et lorsqu'elle se marie, la femme, elle s'aperçoit d'une chose qui est autre. Elle va s'apercevoir tout simplement du waqir, c'est-à-dire qu'elle va être confrontée au quotidien et la réalité de la nature humaine. Wallah al-musta'an. C'est pour ça que la femme qui est intelligente et la femme qui est posée, elle ne va pas laisser son imagination lui jouer des tours ou prendre le dessus sur elle. Bien au contraire, c'est une femme qui va se préparer déjà moralement et psychologiquement à affronter les problèmes qu'elle va automatiquement rencontrer, qu'elle va rencontrer dans ce qui est de l'imperfection. Inam. Al-naqa'is, la bout chez l'homme, qu'elle va trouver donc cette imperfection. Et qu'elle sache que la réalité du quotidien comprend des joies et des douleurs, des jours calmes, paisibles et des orages, des larmes de joie et des larmes de tristesse, des paroles douces et des paroles dures, des regrets, des remords et des joyeux souvenirs. Enam, ça fait partie de la vie. Ça, c'est le quotidien. Et c'est ce que la personne doit affronter. Parmi les erreurs également que l'on cite, et dont on avait déjà tiré l'intention sur ce problème, c'est le peu d'importance que donnent certaines femmes au respect des parents de l'homme, de son époux. Enam. Qillatu mura'ati zawja li walidayi zawj. Et plus particulièrement la mère. Il faut savoir, et ça c'est également une chose que la femme elle doit savoir, lorsqu'elle va se marier avec un homme, cet homme-là, dans la plupart des cas, il aura une mère. Il faut qu'elle sache que cette femme-là, automatiquement, il va avoir des tensions entre elle et la mère. Pourquoi ? Parce qu'elle va se marier avec une personne qui est sortie de son ventre, à cette mère-là. Une personne qu'elle a éduquée toute sa vie. Ça, il faut qu'elle se le mette en tête. Et on avait rappelé la jalousie de la mère. Et que c'était à elle de gagner son cœur. Et non, pas le contraire. C'est pas le contraire qui va être fait. Mais c'est la femme, c'est l'épouse qui doit tout mettre en œuvre, et dès le début, à gagner le cœur de sa belle-mère. Et non le contraire, qu'elle attend de rien de sa belle-mère, si elle veut réellement réussir dans sa vie. Et non, parce que automatiquement la mère ou la belle-mère va avoir une influence directe par rapport à son enfant et par rapport au couple. Donc le fait qu'elle a gagné son cœur, elle aura tout à y gagner. Et bien plus encore, c'est que la mère, que son cœur a donc été gagné, le jour il va avoir une discorde, al-khilaf, c'est peut-être même elle qui va prendre la défense de sa belle-fille et qui va faire comprendre à son enfant les droits, etc., qu'elle a par rapport à lui. Inam. Donc elle va prendre sa défense. Bien au contraire, s'il y a des tensions, automatiquement la mère, elle va s'en mêler, elle va donc empoisonner la situation. Donc ça également, c'est une chose que la femme, elle doit savoir, et c'est une grosse erreur de ne pas y prêter attention. Donc elle sache que c'est à elle, et on répète, c'est à elle de gagner son cœur, et non le contraire. Également, un point que l'on cite et que l'on avait déjà détaillé dans nos cours auparavant, c'est le peu d'importance que l'épouse va donner à la beauté devant son homme. L'épouse, il faut qu'elle se fasse belle, et on l'avait déjà cité. Il faut qu'elle se fasse belle, il faut qu'elle entretienne cette relation avec son homme. Il faut qu'elle le protège. Elle le fait pour Allah Azzawajal, afin de conserver son foyer, afin de conserver son homme, afin qu'il n'aille pas voir et qu'il ne soit tenté à l'extérieur, là où les portes de la fitna sont ouvertes. Donc ça, c'est également un point qu'on avait détaillé et que l'on cite, et qui est une erreur qui est faite, où les femmes ne prennent pas soin d'elles par rapport aux habits, par rapport donc à la beauté de façon générale. Également, pour ce qui est, et une des particularités malheureusement de la femme, et ça on va le voir par rapport à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc à partir de là, lorsque la femme croyante, elle sait que c'est une particularité de la femme, et que cela arrive beaucoup chez la femme, alors qu'elle soit très prudente par rapport à cela, de ne pas y tomber dedans. Et on va revenir donc à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'Allah azawajal lui a fait voir le feu, qu'Allah Azzawajal lui a fait voir le paradis, salawatullah wa salamun alayhi, et nous a informé de ce qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a vu le feu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ra'aytu an-nar, j'ai vu le feu, wa ra'aytu akthar ahliha an-nisa, et j'ai vu la plupart des gens donc du feu,
les femmes. Bien entendu, il y a une cause par rapport à cela. Et les sahaba, ils lui ont posé la question, pourquoi donc la plupart, et ce que tu as vu donc, lorsque tu as vu l'enfer, tu as vu que la plupart de ces gens-là, akthara ahliya, an-nisa, tu as vu que c'était des femmes, pourquoi cela? Et le prophète, donc ils lui ont dit, lima ya Rasulallah, pourquoi cela? Et le prophète de répondre, salawatullah wa salam alayhi, il a dit la cause, yakfurna al-ashir, c'est-à-dire donc qu'elles n'ont pas de reconnaissance, qu'elles nient, ou qu'elles n'ont de reconnaissance par rapport donc à l'ashir, donc par rapport à leur vie et tout ce que leur homme a fait pour elles durant sa vie. Donc de façon générale, l'ashir, tout ce qu'elle a vécu avec lui, tous les biens qu'il lui a donnés dans cette vie-là, lorsqu'il a comblé ses besoins, etc. Yakfurna al-ashir, wa yakfurna al-ihsan, et également al-ihsan, donc la bienfaisance qui leur a été faite, elles ne sont reconnaissantes par rapport à cela. Law ahsanta ila ihdahunna, si tu as donc été bienfaisant envers l'une d'elles toute ta vie, ad-dahr, ad-dahr, c'est-à-dire donc toute ta vie, thumma ra'at minka shay'an, et si donc elle voit quelque chose de toi, donc une chose qui ne va pas lui plaire, une chose qui va être en contradiction avec ce ihsan, avec cette bienfaisance. Qalat ma ra'aytu minka khayran qat, je n'ai vu de toi point de bien, absolument point de bien. Wallah al-musta'an. Hada wa takfir al-ashir, le fait donc de délaisser et le fait de n'être reconnaissant par rapport à ses bienfaits, être ingrat. Également, les derniers points donc que l'on cite, le fait que la femme, à chaque fois qu'elle fait un bien par rapport à son homme, elle lui le répète, tout simplement. Iyatamun, à chaque fois qu'elle fait quelque chose de bien, il faut qu'elle le rabâche, elle le rappelle à son homme. Ça également, c'est une grosse erreur que la femme, elle fait. Également, irhaq az-zawj bi kathrati at-talabat, c'est-à-dire le fait qu'elle fatigue de manière abusive son mari par les demandes. Toujours en train de demander. Toujours en train de demander par rapport à ses besoins et par rapport à ce qui est en plus, bien entendu, de cela. Lorsqu'on dit, bien sûr, ses besoins, encore ses besoins, c'est une chose, mais bien ce qui est au-dessus. C'est-à-dire kathrati at-talab, tout le temps demander, demander. Ça également, c'est une erreur. La femme, il faut qu'elle soit, qu'elle pose également ici un équilibre par rapport à cela. Également, et c'est ce qu'on va voir ici, ce sera le dernier point, inshallah, al-mubalaghatu fil-ghayra. La femme, comme on l'a dit auparavant, de par sa nature, elle a une jalousie. Et cette jalousie va être encore plus accrue lorsque l'homme il va se marier avec une deuxième femme, une troisième ou une quatrième. Et donc ici, ce qui est, ou l'erreur qui est faite, c'est al-mubalagha, bien entendu. Al-ghayra mawjouda, elle est présente. Elle est présente. Elle a été présente chez les meilleures des femmes de cette communauté. C'est pour ça que Aïcha, qu'est-ce qu'elle disait Aïcha radiallahu ta'ala anha? Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari, fi bab ghayrat al-nisa, lorsqu'il a donc intitulé un de ses chapitres, ghayrat al-nisa, c'est-à-dire bien entendu ce qui est en rapport avec la jalousie des femmes. Qu'est-ce qu'elle disait Aïcha? Elle disait, ma rirtu ala mra'atin li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kama rirtu ala khadija li kathrati dhikri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam iyaha wa thana'ihi alayha. Qu'est-ce qu'elle disait Aïcha? Elle disait, je n'ai jamais été aussi jalouse d'une femme par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc d'une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai été jalouse et j'ai jalousé donc Khadija. Khadija radiallahu ta'ala anha, cette grande femme. À force qu'il répétait, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé beaucoup. Il l'a rappelé beaucoup. Il rappelait beaucoup cette femme-là, tout le bien qu'elle a fait, et cette grande femme. Et également les éloges qu'il faisait d'elle. Et donc à partir de là, Aïcha nous dit qu'elle n'a jamais eu plus de jalousie pour une femme que pour en fait Khadija, et de par cette cause-là. Donc c'est quelque chose qui est naturel, qui est présent chez la femme. Mais, bien entendu, elle ne doit pas exagérer dans cela. Et si elle exagère, alors elle va faire en sorte, cette raïra va animer un feu qui va être ardent, et dont les flammes propagées donc de ce feu sont en réalité une fumée de doute et de suspicion. Wallah al-musta'an. Jusqu'à que la vie donc de l'homme devient un véritable enfer. C'est-à-dire toujours avoir des doutes par rapport à son homme.
de façon générale, et dans le cas bien entendu où il a des épouses, lorsqu'elle a toujours des doutes par rapport au fait qu'il donne plus à l'autre, ou alors qu'il est plus affectif par rapport à l'autre, etc. Une jalousie qui va devenir en réalité une maladie. Donc, la femme également, elle doit faire attention à cela. Et par rapport à ce que l'on cite pour que la femme, tu'arij, c'est-à-dire qu'elle remédie donc à cette ghayra lorsqu'elle est abusive, cette jalousie lorsqu'elle est abusive, qu'elle se contente dans un premier temps, lorsqu'on a dit al-qana'a pour l'homme, on le dit également pour la femme, qu'elle se contente également de façon générale, et qu'elle se contente également et soit satisfaite de la prédestination d'Allah. C'est Allah Azzawajal qui a prédestiné cela. Elle a un homme, alhamdoulilah. Combien de femmes ne trouvent d'hommes croyants, d'hommes en qui elles ont confiance et qu'elles savent que jamais ou qui est loin des causes du zina. Ça, c'est un bien qu'Allah Azzawajal leur a donné. Donc, qu'elles soient contentes de cette prédestination et qu'Allah Azzawajal a fait qu'il s'est marié avec une deuxième femme ou une troisième. Également, par rapport à ce que l'on cite, c'est donc qu'elle délaisse les doutes qui sont non fondés et tout ce qui rentre dans le waswas. Comme on l'avait vu pour l'homme, c'est également valable ici pour la femme. Que ce soit donc les doutes pour l'homme de façon générale, même celui qui n'est pas marié, ou alors les doutes par rapport à ce qu'on a cité au niveau de lorsqu'il y a plusieurs femmes. Également l'istiaada billah min ash-shaytan ar-rajim. Également naam, ça c'est un point qui est important. C'est que la femme, elle demande protection auprès d'Allah Azzawajal de ce shaytan. Car c'est le shaytan qui est à l'origine de cela. Le djab, c'est lui qui est à l'origine donc de ce sentiment, c'est-à-dire donc de cette jalousie qui va être abusive. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal yaqul wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'idh billah innahu Sami'un alim. Et si jamais le djab t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et c'est tout. Et c'est tout. Également al-mujahada, in'am. Al-mujahada. Si la femme elle a à faire une lutte donc contre elle-même, contre son nafs, à lutter donc contre son nafs, c'est à ce moment-là. Al-mujahada. Et également al-ishtiral bima yanfa, c'est-à-dire donc qu'elle s'occupe de ce qui va lui être profitable, comme l'adoration d'Allah Azzawajal. De s'occuper de son foyer de la meilleure des façons, de l'apprentissage de son din, etc. Et également, Inch'Allah, parce que c'est le dernier point, on va le citer donc ici, ce sera le dernier point, une des erreurs qui est faite par la femme, c'est qu'elle ne porte d'importance aux états de l'homme, inam, et à ses sentiments. Car l'homme également, il a des sentiments. Et l'homme, il a des états également, qui sont différents. Et par exemple, à titre d'exemple, le fait que, au moment où l'homme, il va rentrer du travail, fatiguée, épuisée, à ce moment-là, elle vient, elle va lui rappeler les mauvaises nouvelles, elle va lui demander ce qu'elle a besoin directement dès qu'il rentre, etc. Donc ici, elle ne va même pas prendre en compte la fatigue de l'homme et le laisser un peu se reposer, etc. Naam, des femmes qui sont comme ça et qui ne prennent pas en compte cela. Également, ce que l'on cite à titre d'exemple, Fiad al-Bab, c'est qu'elle plaisante ou qu'elle soit joyeuse au moment où lui, il est triste. Ça, c'est également une des erreurs qui est faite et qui est le fait de porter peu d'importance aux états de son homme. Et également, de façon générale, qu'elle ne donne pas le respect qui est demandé. Et non, parce que la femme doit respecter son homme. Il doit donc, ce respect doit apparaître, que ce soit dans son langage, que ce soit dans sa façon de faire, dans son comportement. Et ensuite, un grand manque qu'il va y avoir par rapport à l'éducation des enfants. Et Inch'Allah, les prochains cours, bi'idhnillahi ta'ala, on va rentrer également dans ce chapitre-là. On va rentrer donc dans ce grand chapitre qui va concerner tarbiyatul awlad, donc l'éducation des enfants, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.